sont sans retour. Non seulement il ne parla plus durant 6 mois, mais mon maître ne toucha plus sa viole. C'était la première fois que ce dégoût lui naissait. Dès que j'eus appris la fin de Madeleine, je me réveillais dans l'angoisse chaque nuit. Je me remémorais sans finir les noms qu'elle m'avait confiés en secret. Les enfers, la barque de Caron, les pleurs, le tombeau des regrets. Je ne supportais pas que mon maître voulût que ses œuvres se perdent avec sa mort. Je me mis à regretter de vivre sans que je les aie entendus ne serait-ce qu'une fois.